on s'est adressé directement à vous en tant qu'habitant de l'impasse du Jardin et les représentants du comité de quartier, parce que vous êtes les plus directement concernés par, non pas l'organisation du lotissement et de la construction des maisons en tant que telle, mais la desserte notamment avec le projet d'ouverture de l'impasse. Donc, on voulait absolument vous le présenter. Donc, en bas, on faisait un petit peu une historique, on ne va pas retracer, recommencer l'histoire, mais l'historique la plus récente, c'était bien la réunion publique qui avait eu lieu à l'école Buffon au mois de mars, qui avait amené un certain nombre de débats et d'observations. À la suite de ces observations, conjointement, la ville, la communauté urbaine et puis Logicil ont retravaillé le projet pour modifier un certain nombre de choses, et c'est ce rendu qu'on voudrait vous faire ce soir, et avoir votre appréciation des choses, votre avis. En prolongement de l'impasse, et au bout de l'impasse, et on a également, perpendiculairement, on a également un rang de métier. Ici, donc en prolongement, on a une rangée de maisons. Normalement, dans le premier de cette rue, il y a 9 maisons. Moi, j'habite 13. Donc en face de chez moi, ça va être des maisons. C'est la maison de l'hiver. Ce ne sera pas très haut. On est obligé. La première, elle sera un peu plus haute que celle de se raccorder à celle qui est à côté. À l'existence. Les bâtiments devant sont demandés de nous raccorder, puis tout de suite, on descend. C'est avec des maisons plus basses que. C'est un seul étage. C'est un étage. Un seul niveau, donc un étage. Mais évidemment, ce n'est pas des étages comme les vôtres, parce qu'à mon avis, de mémoire dans la chaussée, vous êtes plutôt à. C'est mes maisons à 3 mètres. Aujourd'hui, 3 mètres 30 même. Donc nous, déjà dans la chaussée, c'est 2 mètres 50. Et à l'étage aussi. On va quand même perdre de la clarté. Ah oui. Par rapport au site actuel, dans les métros. Parce qu'on a vu avec les hangars, et c'était beaucoup plus bas. Et quand on les a enlevés, j'ai vu une sacrée différence. C'est ça que j'aime, je vais dans le Non, mais on essaye de faire une réunion où tout le monde peut s'entendre, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc le plan masse, en fait, tient compte quand même des observations de la première réunion publique, et notamment de vos observations, qui étaient de ne pas faire d'espace vert un peu résiduel derrière votre terrain, et de faire un parking un peu plus conséquent et moins linéaire le long de la voie. Donc là, on a quand même tenu compte, ça n'a pas été pour rien cette réunion, puisque on a tenu compte de vos observations, et on a fait un vrai parking avec un espace vert qui est plus finalement situé derrière le collectif, où là on a fait un petit square. Un petit square un peu structuré. Ici, derrière le petit collectif, côté rue Drouot. Le square, donc, à côté de maison. Après votre maison, on a un petit jardin. Après le pignon de la dernière maison, voilà. Ouais. On a un espace vert. Là, c'est tout un espace vert. Donc derrière chez moi, ça sera un espace vert. Ça sera un espace vert. Il n'y aura pas de maison, ça sera un espace vert. Fermé. A priori, hein, fermé le soir, d'accord. Et sécurisé. Si jamais vous voulez refaire une réunion, on va garder un plan ici. Si jamais vous voulez aujourd'hui voir les plans et les voir avec d'autres voisins, on va essayer de trouver. À ce moment-là, on voit avec le secrétaire, on voit avec le secrétaire de mairie, et à ce moment-là, vous pouvez regarder ici. C'est la personne qui bouge le char. Mais on ne les sent pas ici. D'accord. Ça a toujours été le même cinéma. Ah ouais, parce qu'avant, avant, c'était les avions, mais je comprends bien. Vous êtes madame ? Je suis madame Berthe. Berthe. Et votre avis sur la réunion d'aujourd'hui ? Moi, je trouve que c'est un très beau projet. Ouais. Maintenant, il faut voir avec tous les voisins, savoir avec tous les propriétaires de la rue s'ils sont d'accord avec ce projet, se mettre en accord tous ensemble. Le fait qu'on soit propriétaire, la redistribution des voiries. La revente, en fait, de la voirie. La revente des voiries, oui. Voilà. Donc on va se revoir à une prochaine étape pour rediscuter. Tout à fait, on va se revoir pour une prochaine étape. Merci.